10 races de chiens inconnues plus puissantes du monde. Numéro 10. Bully Cuta. Ce gladiateur indien est directement descendu du British Bull Terrier, introduit en Inde par les forces coloniales britanniques. Le sport du chien de combat était et est toujours tout à fait populaire dans certaines régions de l'Inde et du Pakistan, où un certain nombre de races ont été développées dans ce but précis. Numéro 9. Chien Boer Boel. Le Boer Boel est un grand chien solide et robuste, aux muscles puissants. Ses aplombs sont solidement ancrés et très musclés. Sa tête est large, courte et musclée, ses mâchoires sont puissantes. Les mâchoires en tenaille et prognate sont admises mais celles en ciseaux sont préférables. La robe du Boer Boel peut aller du fauve au bringé. Le blanc est toléré au niveau du collier. Numéro 8. Rhodesian Ridgeback. Le Rhodesian Ridgeback est un chien fort, musclé et vif, aux formes symétriques, résistant et rapide. La tête est d'une bonne longueur. Le crâne est plat, plutôt large entre les oreilles, sans rides quand le chien est au repos. Le museau est long, profond, robuste, le stop est assez marqué. Les yeux sont ronds, brillants, d'une couleur assortie à la robe. Les oreilles sont attachées assez haut, d'une taille moyenne et adhérent à la tête. Numéro 7. Dogue du Tibet. Le Dogue du Tibet ou Mastiff tibétain est un chien vigoureux, d'une ossature massive. La tête est large et massive, le museau est de type mâtin mais plus léger que celui du Mastiff anglais. Les yeux sont de couleur brune et de grandeur moyenne. Les oreilles, retombantes, sont de longueur moyenne, en forme de cœur, lisses, placées sur les côtés du crâne et portées vers l'avant quand le chien est en éveil. Numéro 6. Chien Kangal. Bien que classé comme chien de berger, son travail n'a jamais été de rassembler ou de guider les troupeaux, mais seulement de les défendre contre les loups ou autres prédateurs, tâche qu'il accomplit encore de nos jours. De plus en plus employé pour la garde, il peut se montrer très agressif envers les inconnus. Il est volontaire et indépendant, ce qui ne facilite pas toujours la vie en famille. Numéro 5. Cane Corso. C'est le descendant direct du Canipuniax romain, dont il représente la version légère. Il était utilisé dans la chasse au gros gibier comme auxiliaire de guerre. Pendant des siècles, il a représenté un compagnon précieux pour les Italiens qui l'utilisaient comme gardien de leurs propriétés et de leurs troupeaux, à la chasse et pour leur défense personnelle. Numéro 4. Xiong King. Une des races antiques les plus rares et les plus uniques, le Xiongqing Dog a été développé en Chine du sud-ouest de mastifs et de chiens asiatiques miniaturisés de chasse. C'est un chien primitif, connu pour un dispositif physique très intéressant, qui est sa queue en bâton en bambou, unique chien possédant ce genre de queue, épaisse à la base et s'effilant vers le bout. Numéro 3. Whippet chinois. Des recherches scientifiques chinois modifiés chiens génétiquement afin de leur fournir une énorme masse musculaire, à supprimer le gène a donc créé cette race qui a des muscles impressionnants et devrait avoir la possibilité de courir vite, ce qui est bon pour la chasse et pour les militaires et l'utilisation de la police. Numéro 2. Dame Mayo. C'est une race puissante d'aspect imposant pour l'œil de l'être humain. Le Molosso Barrage Mai, est le concept d'une nouvelle race des chiens et prosa accent aigunado au monde. Il affirme que cette race fournira un chien de caractère tempéramental compact, souple, puissant et avec une grande capacité de travail et d'obéissance. Numéro 1. Chien Bandog. Le Bandog est un chien très intelligent. Comme chien de garde et de protection, le Bandog est bien évidemment excellent, sûr de lui et à l'écoute des ordres qui lui sont donnés. Bien qu'il fût développé pour la garde, une minorité l'utilise malheureusement comme chien de combat. Le Bandog possède un tempérament naturel agressif et dominant, ce n'est pas un chien à recommander aux novices ou aux personnes n'ayant jamais eu de chien avec un tel caractère.